Là, on est dans le concret puisque le bateau il est dans le port. Si le bateau il est là un peu à l'avance, c'est que le bateau il est prêt et que, indépendamment du stand-by qui démarre officiellement le 1er novembre, si on doit partir demain, on partira demain. Les navigations du printemps, de fin d'hiver, de cet été nous ont permis de faire un travail un peu plus en profondeur et de travailler dans la fiabilité du bateau, de travailler sportivement avec les hommes, avec tout l'équipage. Et puis tout ça a beaucoup plus de consistance à mon sens aujourd'hui. Il y a une sérénité qui dégage à bord du Maxi Trim Barrembourg Populaire qui était sûrement moindre il y a un an à cette époque-là. L'équipage c'est le même que l'année dernière, on est un de plus. Donc on a Juan Villa que j'avais connu sur des navigations pour des entraînements pour la Coupe América avec Alinghi. On a Brian Thompson aussi qui est venu nous rejoindre. C'est bien un petit peu de rigueur anglo-saxonne dans ce monde avec que des Bretons et un Basque, ça fait du bien. Et puis la dernière personne c'est Fred de Petrec qui a fait un petit tour l'hiver dernier avec Franck. Et donc il connaît le chemin, donc ravi qu'il nous ait rejoint. L'idée elle est un peu là. L'idée c'est quand on regarde un petit peu les parcours pour venir à la météo, où on peut gagner aujourd'hui c'est l'Atlantique Sud, en montant ou en descendant. Alors en remontant, ce qu'on aura comme météo on n'en sait rien. Par contre, c'est vrai qu'on a quand même une petite visibilité de la descente et qu'on est un petit peu omnibulé par la positionnement de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Je pense qu'à un moment donné, il faut peut-être avoir un petit peu plus d'opportunités, essayer des trucs. À chaque fois qu'on a été sur l'eau, à chaque fois qu'on a fait un record, ça s'est super bien passé. Voilà, on a battu 3 records et de manière qui dépasse l'entendement. Donc j'ai envie de transposer ça sur le Tour du Monde et puis de le partager collectivement avec toute une équipe aujourd'hui qui est super à vivre quoi. Et ça c'est génial aussi, cette collectivité-là à vivre au quotidien comme ça sur l'eau, c'est quelque chose d'un peu nouveau pour des gens comme nous qui sont plutôt des solitaires à la base, d'expérience. Mais en tout cas moi je me régale quoi, parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai bien dans mes gènes.